Amis téléspectateurs, gros bonsoir pour nous toutes. Bienvenue dans le journal d'Haïti. Pourquoi elle est là? Nous avons démarré le journal là avec collaboratrice non, Nicole Selom pour conditions météorologiques journée. Salut à tous, avec un pile plaisir. Moi, retrouvez nous aujourd'hui pour le thème météo qui vient conditionner. Mais nous allons apprendre ça. On vient se passer avec différentes images. Il y a un fond froid qui chita sur la partie centrale Cuba pour aujourd'hui. Mais ce n'est pas une situation pour aujourd'hui qui a bien concerné le pays d'Haïti. Donc, nous avons un temps qui a été plus ou moins stable sur le pays. Je nous avoue avec l'image là, c'est un ciel vraiment dégagé sur tout le département. Mais à partir de demain soir, donc jeudi, nous avons un fond qui a bien chita au niveau canal du vent. C'est à ce moment là pour quelques humidités et permettre à ce que il y ait la pluie qui tombait principalement sur le secteur nord-pays, en tant que nord-ouest, nord et puis nord-est. Et avec quelques petits gouttes de la pluie tout qui vient tomber demain au niveau sud-ouest. Mais globalement, pour aujourd'hui, son temps qui a été stable, il n'y a pas tant de changement à partir de demain, j'en moins expliqué nous. Pour après savoir que les gens qui sont côté de pour aujourd'hui, il y a toujours un temps stable avec présence de quelques nuages. Pas de trop de chance non plus pour la pluie tomber sur le point aujourd'hui. La température maximale là aussi entre 30 et 33 degrés Celsius, minimale à descendre à 20. Donc j'en moins dit nous, on a prêté un temps qui stable au niveau capital là avec les gens avoisinants. La page maritime au niveau côte nord, golfe de la Gonâve avec côte sud payant, c'est des vagues qui ne montent pas plus haut que 6 pieds que nous observons aujourd'hui avec un vent plus ou moins qui soufflait dans le secteur nord-est avec une vitesse de 10-15 nœuds. Donc, c'est pas un homme qui vraiment agité, mais quand même, notre conseiller capitaine, il a toujours été prudent, il a fréquenté mi-temps la meilleure pendant l'après-midi. Et pour finir la page astronomique, là, 5h33, et la levée de le matin à 6h25 au niveau PowerPoint. C'est toujours un plaisir pour nous porter information météo pour vous. Merci un pile pour attention. Bon après-midi. Excellente soirée. Nous disons merci à Nicole Selom. Chambre députée a organisé première séance en plénière li, mardi 16 janvier 2018 là. Séance a déroulé sous formation commission permanente yo. Pendant séance a, il y a 4 blocs politiques qui inscrits dans bureau a. Alliance parlementaire pour Haïti, APH qui gagne 71 députés, bloc député OPL, vérité à Calier 17 députés, groupe parlementaire cap Coute Pep là, GPEP, 12 députés, et puis groupe parlementaire pour stabilité GPS. Après inscription, yo, bureau a journée séance là pour demain. En attendant, bloc politique yo joignons entente pour formation commission yo, selon président chambre députée a Gary Baudot. Nous invitons à suivre un extrait dans le micro Fidel Confident avec Moïse Ulrich. Nous faisons séance là pour nous être capables, dans le premier temps, inscrit bloc politique yo, pour nous sans bloc politique yo. Et pour vraiment travailler parlementaire là pour qu'on commence. Dans un second temps, après inscription des blocs politiques, où on est désormais, nous avons 4 blocs politiques à la Chambre. C'est GPEP, GPI, OPL Vérité Allié et le bloc majoritaire APH, Alliance Parlementaire pour Haïti. Donc, GPS. Merci, parce que GPI, malheureusement, donc, GPI pas manifesté. Donc, il y a 4 blocs désormais. Donc, je dis, nous-mêmes. Non, pour prendre un pile indépendant. Donc, ça, pour manifester. Donc, nous-mêmes, pour nous faciliter harmonie, pour nous faciliter concorde, nous sommes capables de continuer ces instants-là pour nous faire formation et commission. Qu'on est depuis une formation politique et commission, c'est pouvoir pas le séparer, président bloc, al jwenn consensus nan mitan yo. Nou konnen gen 20 komisyon nan chanm nan, donc pou yo gade ki es par rapport a chan de kompetans yo, par rapport a afinite politik yo, an tenan kont osi de rasyo nou konnen an, paske blok majorite a li deja majorite a, se syo ke lap gen plus komisyon, donc la fèt ensi de suite. Donc mwen voye yo al jwenn an akor sou dezakor yo, pou ke rapidman nou mette chanm nan ou travay. Président groupe parlementaire à l'écoute peuple là, GPEP, Peter Castin Constantin, dit on inscrit à 12 députés, bloc la pral continuer pour faire travail contrôle d'après constitution. Député A dit li pral chita parler à Claude Blocio pour formation commission permanente. Yon extrait toujours dans micro Fédéral Confident avec Moïse Rich. Nous avons 13 députés qui inscrivent dans le bloc là, mais il y a 2 autres qui pourront signer pour nous prendre une précaution pour nous participer dans yo. Et ce tribunal, jusqu'à présent, il aurait été convaincu qu'il y en a qui en voyage, n'a pas venu pour signer, mais jusqu'à présent, nous là, avec 10 députés, qui 11 députés du bloc, et j'ai pu quitter là dans le temps. Okay. Là, on bloque, côté nous-mêmes, nous très responsables, nous venons travailler chaque jour, nous là,
et l'autre de l'autre bloc, même si vous en pile, vous pas venir travailler, vous pas présent, nous capable faire pile bagaille nous-mêmes. Président Alliance parlementaire pour Haïti, député Léogane Wilson Hippolyte, exprimer satisfaction li pour travail en péage fait dans jouer rôle pouvoir contrôle yo Jean Constitution mandé ça. Suivons extrait dans déclaration. Nous avons voté en pile loi à la satisfaction de la population politique, sociale et économique. Et nous pensons que c'est à cause de bon travail chambre députée a été fait particulièrement et bloc majorité a nous dit qui permettent que et chambre nan les avancer parce que là nous comptait 60 alors l'année dernière nous était 65 et année ça nous 72. Cela veut dire sans le bloc majoritaire chambre députée a pas marché et nous déterminé année ça pour nous travailler beaucoup mieux pour que nous capables voter beaucoup plus de lois, de propositions de lois et de projets de loi. Député bloc OPL Vérité à Kalieyo Pierre Jude dans destiné dit bloc là gain 17 députés rôle yo d'après constitution an, c'est contrôler pouvoir exécutif là à voter loi. Député destiné dit bloc OPL Vérité à Kalieyo pral continuer travail yo déjà commencé année passée a. Yon extrait dans micro pédé en confident avec Moïse Ouïwitch. Nous connaît et commission c'est youn nan zouti et qui pour permettre la chambre des députés. Nous avons travaillé en telle sorte pour nous joindre des compromis parce que nous connaissons nous avons un parti qui a une forte majorité, qui est CPHTK. Donc nous n'avons pas souhaité aller dans l'élection dans tac au tac ensemble avec eux. Mais nous avons demandé, et je pense que c'est l'objectif de tout, c'est progrès et chambre des députés et faisabilité séance. Donc nous ouverts, nous avons travaillé pour nous joindre comment nous sommes capables de faire distribution. Et commission yo au niveau différents blocs. Sous 20 bien à combien nous viser. Et bon, nous-mêmes nous viser et frontalière et défense et nous viser et éducation parce que nous avons un député nous qui était dans tête li qui fait un bon travail et ainsi que député Belange tout qui c'est membre Vérité OPL et allié et ensuite nous ouais environnement parce que nous-mêmes nous très souciés et de ça et nous gagnons parce que nous gagnons médecins qui dans bloc nous tout nous ouais et santé et nous ouais travaux publics parce que nous gagnons ingénieurs tout qui dans bloc nous toujours sous même dossier député circonscription Cap-Haïtien Jean-Étienne avec député circonscription Jérémyan Marie Gladys Saint-Jean lundi des députés qui fait partie bloc alliance parlementaire pour Haïti qui c'est bloc majoritaire dit au pral travail pour gagner plus loi qui voter dans chambre député a et puis contrôler action gouvernement yon extrait dans déclaration dans micro fait dans confident avec Moïse Ouibridge. Nous, du côté de la permanence, pour nous travailler, pour nous faire équipe ça au travail. Parce que, je veux dire, nous travaillons avec l'équipe la Digicel, qu'on appelle ANAC comme nous, qui a baissé panique. Eh bien, si pour ce sujet de service, c'est que nous-mêmes, comme députés, faut mettre le travail nous, au propre, faut accepter que pour nous travailler. Et à nous, samedi, à tout le monde, nous, Cap-Haïtien, tout Haïtien en général, eh bien, député Cap-Haïtien, n'a fait boucher double. Non seulement, nous avons fait aux de loi, le gouvernement vient pour ouvrir par ici. Et qui nous a fait le dynamisme pour nous mettre nous au travail, pour nous permettre que la troisième année vienne deux fois plus efficace par rapport à l'année passée. Et je vous dis, ça n'est pas un rêve encore. Nous avons dit, frère, ça nous a pas prendre. Nous avons regardé le travail, nous avons commencé dans le département nord, dans la ville capaïtienne, par rapport à tout ça nous avons dit dans la campagne. Et nous voyons que nous avons dit, en fait, nous avons fait pédoirie pour nous faire canalisation. Et ville Cap-Haïtien pour nous draguer rivière Oducap, pour nous draguer rivière Rony qui est dans le dos, et zone brûlissante qui chaque moment cap inondé. Et nous disons, c'est le premier siège de travail nous. Et nous disons fort, bien, député Cap-Haïtien, nous décrétons la permanence pour nous travailler deux fois plus. Dans le bloc et APH que moi, c'est un bloc qui est après et appuyé, si nous sommes capables de dire, soutenu politique et gouvernement. Mais année ça, qui c'est une nouvelle année, et c'est que déjà on a espéré à partir de bilan, justement, que le Premier ministre Santé Vini fait devant nous là, pour nous suivre à la lettre, non seulement bilan, mais perspective que le gouvernement lui-même lui fixe tête-là,
pour que les suivent, pour nous garder qui ça n'a pas capable de charrier comme action positive pour nous porter dans la circonscription que moi-même moi représente, qui est la circonscription de Jérémy. Et pas capable de parler tout de format et de consensus qui entraîne dégager là et sous question formation, commission et chambre députée et des commissions spéciales. Donc l'année dernière, moi j'étais dans présider une commission qui c'est commission conditions féminines et équité de genre qui c'est une commission normalement qui me dit que c'est dans champ d'action moins champ travail moins étant donné que me passé 22 années m'a travail pour le bagaille de nous et nous autres en tant que femmes nous dit nous venir dans le parlement pour nous faire la différence pour que nous permettre que ces circonscriptions aient été vivants. L'autre information dans le journal ça secrétaire général plateforme Petite Dessaline Moïse Jean-Chol condamné déclaration président américain Donald Trump t'a fait sous Haïti, Salvador et Afrique. Il a invité population pour engager pour défendre intégrité, dignité et souveraineté. Suivez un extrait. Son conférence symbolique. Dessaline veut son bagage dans la vie nous. Et dans le cas de Dessaline qui était gourmand pour nous te gagner indépendance pays hein. Nous estimons que jodi hein. Les Dessaline non. Il y a piétiné. Et dans notre déclaration qui fait contre les Haïtiens, et nous allons demander Trump, s'il ne tourne pas sous déclaration, nous allons camper jusqu'au bout pour nous forcer à faire déclaration pour nous dire que les Haïtiens sont excusés. C'est dans ce sens, nous faisons 7 et nous faisons confiance dans la vie de Saline. Les 22, nous sommes sortis ici, nous avons passé Bel Air, nous avons passé Capoubéen, nous allons devant l'ambassade américaine, direct, pour nous parler de parole là. Trump, qui est mémoire courte, l'oublié si Haïtiens ont aidé dans l'indépendance du pays. Ministre éducation nationale et formation professionnelle Pierre-Josué Agenor Cadet visité mardi 16 janvier 2018 là l'école nationale Route Frais. Objectif visite Pierre-Josué Agenor Cadet, c'est pour vérifier information cap circuler qui t'a fait quoi directeur l'école là a demandé parents élèves l'école là l'agent pour faire examen à cantine. John Herbie Casseus et Hervé Pierre. L'idée environ 10h du matin, l'aide d'éducation ça qui était dans tête li ministre éducation nationale la formation professionnelle là Pierre Josué Agenor Cadet rivé dans l'école nationale Frère. Dans discussion li té gain avec ministre là responsable section matin d'école là Émile Massier avoué direction té mandé parents élèves yo cop vraiment. Selon directeur a, yo mandé parents yo pour verser 25 gouttes chaque semaine pour cantine, environ 75 gouttes l'examen ak 500 gouttes comme frais annuel. Banque là c'est pas que ça me fait qui donc m'oblige à faire une réunion avec les parents. Volontairement, les parents disent qu'ils ont 100 dollars. Ils ont 100 dollars. Or, c'est 25 seulement qui ont 100 dollars. Donc, c'est avant de faire réparation de banc, avant de faire réparation de barrière qui est écrasée, et de faire toute la barrière. Donc, c'était 25 seulement qui ont 100 dollars. Pour m'acheter, je vais manger. Nous avons un bonbon pour le plein. Il faut que c'est 600 dollars de gaz qui plein. Mais là, et ensuite, je ne sais pas si je fais fonctionner, mais je fais réunion avec les parents. Je me dis parents, ça, parents, je dis qu'il y a 100 dollars. Ministre de l'Éducation nationale, Pierre Josué Agenor Cadet, condamné la décision responsable de l'école nationale Frère. Il a annoncé des décisions qui prennent au niveau ministère pour faire arrêter les gens qui ont demandé par élèves de l'école nationale UCOM. La loi, constitution garantit l'école primaire gratis. Je dis à parler l'école primaire, elle a dans trois cycles. Et bien, dans deux premiers cycles, et bien, c'est bagaille gratis, tichet. Et bien, en passant dans diverses écoles, côté nous avons des soupçons, nous allons poser des questions, nous allons faire suivi. Jodi à là, ça comme là, ici, il parlait justement de l'école ça, l'école nationale du frère, côté où dit que nous avons quatre parents qui font un rapport, qui dit que dans l'école ça, on fait tout le monde payer. Ou j'en saute là, je parle avec le directeur, qui dit que, effectivement, il y a 25 parents qui ont contribué avec un frère de 500 gouttes. Pour être capable d'aider à répondre à quelques exigences, là nous disons que nous-mêmes, aujourd'hui, nous disons qu'il faut que nous impliquions largement et ça nous sommes capables de dire collectivité territoriale avec tous les parents dans la gestion de l'école. Donc, si il y a un comité parents qui veulent, peut-être que c'est capable possible, ils ont capable l'école là des problèmes, ils ont des gens là-dedans, ils ont capable d'aider et là-dedans. Mais nous ne pouvons pas tolérer ces directions même qui peuvent collecter l'argent dans mes parents. L'école nationale Frère fonctionne dans deux vacations. Selon information, chaque vacation réclame cotisation en fonction des besoins du groupe. Une démarche, ministère de l'Éducation nationale désapprouvée.
L'autre dossier ministère santé publique et population en tête collée avec ministère commerce, mandé toute maman et papa petit qui compte bail timon yo lettre Celia pour yo camper sur lettre ça à cause yon microbe qui dans lettre ça qui gagne effet secondaire sur petit bébé yo. Les ministères yo annoncé yo pral prendre toute mesi pour lettre ça pas continuer vendre sur marché local là. Yon extrait dans micro Marie Jolie. Haïti fait partie de pays, environ 83 pays, qui te recevoir l'ETSA. Donc, par mesure de précaution, nous-mêmes dans le ministère de la Santé publique, de concert avec le ministère du Commerce, qui vient pour être avec question 1, nous fait notre ça sortie. Mais si nous regardons bien, nous ne sommes pas le premier pays qui sortit notre ça. Semaine dernière, notre contact a circulé sur les réseaux sociaux, qui est sorti Côte d'Ivoire, et même la France, côté l'ETSA produit, il y a des mesures similaires qui prennent pour dire que non seulement pas consommer, mais suspendre tout distribution produit. Et dans ce sens-là, nous voyons un coup de chapeau pour maison qui représentait produit Celia en Haïti, qui lui-même a déjà fait notre sortie pour dire population pas consommer et lui a relé tout le monde que lui a mis le produit à la caille en vente pour retourner le produit et lui-même a déjà gagner des moun kap marché ramasser produits qui étaient déjà en circulation. Gros bagaille yo rele la kay nou, attention pa kapon. C'est dans produit ça, dans lettre là que yo joine bactéria. Mais lettre là li gon côté que le fabriquer. Dans usine que le fabriquer, par mesure de précaution, autorité française yo dit si yo joine bactéria dans yon produit, li capable probable tout que bactéria c'est dans usine dans lié donc li ka contaminer l'autre produit. Et en ce sens, moi quoi, yon nan mesure que yon prend, qui c'est peut-être une mesure qui est drastique, c'est que yon mande usine qui a produit, qui a fabriqué l'aide là, pour lui camper sous production tout l'autre produit et puis yon fait ça ou les décontaminations. Donc, autrement dit, nous même en Haïti, nous pas gros problème, l'aide c'est lié à contaminer. Nous recevons un message qui dit clairement que yon identifié une quantité de l'aide qui probablement qui a contaminé. Et comme dans l'eau que vous incriminé, il y a la donne qui est venue en Haïti, quand vous avez dans l'autre pays, donc tout pays qui est recevoir dans l'eau, vous prenez mesure de prévention. Ça nous dit que la population ne pas consommer si vous avez acheté, pas continuer à acheter si vous avez acheté, et distributeur qui est responsable de distribuer l'aide là, pour lui faire rappel, c'est-à-dire pour lui prendre tout côté que le débat. Une petite précision, je vais essayer pour vous. En général, pour certains produits, quand vous avez des médicaments ou bien des bagages comme ça, l'agence de distribution fait ça nous les mises en consignation. Ça veut dire que ça veut dire que ce n'est pas des produits que souvent vous même achetez pour aller revendre. C'est des produits que vous mettez dans le commerce pour vendre et au fur et à mesure qu'il y a une chercher comme là. En ce sens, les gens qui ont un produit pour vendre, les patates posent un problème pour vous retourner. Parce que souvent, ce n'est pas l'argent que vous investi que vous avez perdu. Son commerce que vous avez fait. Ou t'as pas le vendre pour un monde et puis pour monde n'en vienne toucher. Donc, monde qui va vendre dans l'île ou pas vendre la vienne chercher à faire, donc, ou juste remettre monde dans l'affaire. Et si jamais, il y a un monde qui t'a été payé produire, maison remboursé. Donc, c'est ça. Et maison lui-même n'est pas perdu comme là parce que c'est manufacture, c'est usine qui fait là, qui dit rappelez-le. Donc, autrement dit, son remboursement en chaîne. Donc, personne n'a pas perdu rien. Seul monde, s'il continue à faire tête raide, consommer produire. Malgré que, m'a répété encore, je dis encore n'a pas là, pas gagné des cas de maladie en Haïti qui liés à consommation lait là. Eh bien, amis téléspectateurs, c'est le moment pour nous observer un coup de pause dans le journal ça. Restez branchés, n'a pas tourné dans un petit moment. Merci pour fidélité ou avec attention. Nous retournons pour deuxième partie du journal là et cette fois-ci, nous avons coup de pied dans le département NIP. Route nationale numéro 2 a été bloquée dans le niveau Chalon. Plusieurs gens sont à toute barrière écrasée. C'est un groupe militant PHTK dans tête li divers chargés mission ministère intérieur qui revendiquait mouvement pour demander délégué départemental là quitter le bureau. Anne Miriam Loiseau pour détail. Pour une deuxième journée consécutive, route nationale janvier 2018, là, nan niveau Chalon, Savanne-Ouest, deux localités qui dépendent de première section communale Miragouane. C'est un groupe partisan PHTK qui gagne en tête, yo, plusieurs chargés de mission ministère intérieur zone, là, qui saisit que les divers gros camions tournent en croix sur route nationale, là, pour demander révocation délégué départemental Niplan Givor Labé,
yo estimé qu'il pas travail dans intérêt. Bon côté parle délégué départemental là, voyez jeter accusation ça qu'on est en tant que représentant exécutif là, li là pour le travail à toutes heures pour faciliter travail gouvernement. Givar Labé qualifié de terroriste action protestataire yo qui débarquait écrasé brisé dans bureau. Nous changer manifestation en violence, en agressivité, en acte de terrorisme parce que leur entrée pendant champ travail moi pendant que m'étais dans rencontre avec tout directeur des bureaux déconcentrés pour permettre que nous garder possibilité pour nous corriger toute erreur dans fonctionnement institution yo pour permettre atterrir pouvoir et bien laisse ça sous quitter route qui a un droit manifester qui c'est la rue pour craser barrière délégation pour entrer dans enceinte délégation pour briser vite nous en otage côté nous pas qu'à sortir mouvement levé campé ça a des gros conséquences sur activité dans zone là diverses vite locales sont opération d'urgence là intervenir pour te débloquer circulation admire am l'oiseau métropolitain Miragouane pour TNH. Chambre députée a organisé première séance plénière lundi sous direction nouveau président Chamblan Gary Godot. Dans l'occasion, quatre blocs politiques formés. Alliance parlementaire pour Haïti, APH, bloc majoritaire qui gagne 71 députés. Bloc député OPL, Vérité à Calier, 17 députés. Groupe parlementaire qui a tous les peuples là, GPEP, 12 députés. Et groupe parlementaire pour stabilité, GPS, 13 députés. Ministre d'Éducation nationale et formation professionnelle, Pierre Josué Agenor Cadet, visité mardi 16 janvier à l'école nationale Route Frais pour vérifier information qui t'a fait quoi. Directeur l'école là a demandé parents élèves l'école là, l'agent pour faire examen à cantine. Ministère Santé publique et population et ministère Santé et commerce mandé tout maman papa petit fayon campé sous bay petit violette celia à cause d'un microbe qui dans l'est ça qui a gain effet secondaire sur petit bébé. À l'étranger, Donald Trump pas gain aucun problème mental, au contraire chef l'état américain en vue en bonne santé physique et mentale. Ça c'est résultat dernier bilan santé supervision médecin Maison Blanche là Ronnie Jackson. Voilà, amis téléspectateurs, c'est la journal La Boule pour jeudi. Hein? Merci pour fidélité ou attention. Nous invitons à rester branchés Télévision Nationale d'Haïti pour suivre cette programmation. Hein? Bonsoir tout le monde.